Alors, bonjour, bonjour à tous. Les autres attendent forcément 20h30 avant de se connecter. Donc, on va leur permettre 5 minutes de retard. Très rapidement, puis on va commencer. Bonjour, Jésus, comment allez-vous? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous pouvez confirmer. Oui, D'accord. Je vais mettre les écouteurs. Alors, plus loin. Je vais fermer ça. Allô? Oui, voilà. En attendant qu'on commence, laisse poser quelques questions. Oui, allez-y. Concernant la table utilisateur avec Oui. l'étudiant utilisateur que vous avez voulu ajouter. En fait, je vais savoir exactement Oui, on vous écoute. Ça joue dessus. Ça, pas, moi, c'est écouteur. Allô, monsieur Zozo, on est en train de vous perdre, on perd le son. On ne vous entend même pas du tout, on perd le son. D'accord, et là, c'est bon? Oui, ça va mieux. Donc, reprenez votre question. Voilà. Donc, en fait, c'est concernant une biais qu'on a ajouté dans les différents champs pour utiliser la table utilisateur. Oui. En fait, je voulais avoir son importance, quoi. Pourquoi on a utilisé ça. Et puis, le type de SDA, et puis pour la date d'inscription, est-ce que le type date pour les deux ou est-ce qu'il y a un type particulier pour SDA? D'accord. En fait, is deleted. Donc là, je vais activer mon truc pour vraiment montrer. Ok, donc on va y aller. Ok. Donc nous sommes dans la table utilisateur et isDeleted, c'est savoir si l'utilisateur a supprimé son compte. Il peut s'inscrire dans la plateforme et puis il peut décider de partir. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois. Voilà. Et donc, nous, on va set, disons, le thème technique. On va mettre, quand il va vouloir supprimer son compte, on va juste mettre l'état de son compte à zéro
supprimer très généralement, c'est des techniques, on peut bien supprimer, mais très généralement, cette technique pour vous montrer que demain, quand vous allez concevoir de gros projets, l'idée, ce n'est pas de supprimer complètement. L'idée, ce n'est pas de supprimer complètement les informations de l'utilisateur ou de n'importe qui, que ce soit de n'importe quelle donnée, de ne pas supprimer complètement ces données, mais plutôt de les archiver. Parce que c'est ce que les grandes plateformes font, elles sauvegardent les données. De nos jours en informatique, le plus important, c'est les données. C'est la sauvegarde de données. Donc, l'utilisateur peut décider de supprimer son compte. Nous, on ne va pas enlever toutes ces informations complètement de la plateforme. On va juste mettre son état à zéro pour dire qu'il ne pourra plus accéder à la plateforme parce qu'il aurait décidé de supprimer son compte. Mais nous, on sauvegarde ces données. Donc, cette variable-là, c'est juste pour mettre son état à zéro. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, je vois. C'est-à-dire que quand il est actif, c'est 1. Quand il décide de partir, on met ça à zéro, mais on a ses données. Parce qu'on aura peut-être, quand il va céder la plateforme, il va signer. Quand vous partez sur les plateformes que vous vous inscrivez, on vous demande d'accepter les règles de confidentialité ou les règles d'appartenance de la plateforme. Dans ces règles-là, il est notifié que l'entreprise, mais la plateforme peut utiliser vos données pour faire des choses. Donc, vous n'utilisez pas toutes les informations, mais vous avez donné l'accès à vos données à cette plateforme. Elle peut les utiliser comme elle veut. Elle peut vendre vos données à d'autres plateformes. C'est comme, par exemple, on peut se connecter sur Facebook, mais peut vous vendre vos données à Google. Et ça, c'est des règles de confidentialité, des règles qu'on a acceptées, même si on ne les a pas lues, mais en créant un compte Facebook, on accepte de vendre nos données. Même si demain, on décide de supprimer nos données. C'est pas, on décide de supprimer nos comptes. C'est un peu comme ça se passe pas. Vous pouvez désactiver vos micros pour le moment, s'il vous plaît, ceux qui ne parlent pas. Voilà. Maintenant, merci. Concernant le type de utility, en fait, normalement, on peut dire c'est date, mais vous avez parlé d'un autre type que j'ai trouvé très intéressant, Monsieur Daté, excusez une seconde, Monsieur Zo va finir, puis on va prendre. Voilà. Oui, Monsieur Zo, continuez. Simple, là. Voilà, c'est ce type-là. Bon, avec ce que vous avez expliqué, je veux savoir, est-ce que pour le type de utility avec date d'inscription, ce n'est pas mieux de prendre timestamp ou bien c'est forcément date? Voilà, je vais avoir une question là-dessus. Pourquoi choisir date ou bien pourquoi choisir timestamp? L'état de naissance, là, c'est pas type date, avec type. Comme vous regardez, Monsieur Daté, votre micro est activé. Donc, ici, is deleted, on a mis int parce que on va utiliser soit 0 ou bien soit 1. Ça veut dire que c'est un entier ou voilà, c'est strictement un entier. Date inscription utilisateur, on a mis date time, pourquoi? Parce qu'on va prendre la date, en heure, la date et l'heure. Donc, le type, c'est date time. Pourquoi on n'a pas pris timestamp? La dernière fois, il a expliqué, timestamp, c'est pour enregistrer l'heure qui est en local, en fonction de chaque utilisateur, par exemple. Moi, je suis peut-être... disons, je prends un exemple. Si on a un utilisateur qui est à Paris et que moi je suis ici et que lui là, il a, disons, le fuseau horaire est une heure de plus et qu'on s'inscrit au même moment, lui chez lui là-bas il peut être 22h, moi chez moi il est 21h. Alors qu'on s'inscrit au même moment, dans la base de données, on aura.
disons, chez lui là-bas, il serait inscrit qu'il s'inscrit à 22h. Chez moi ici, il serait inscrit que je me suis inscrit à 21h. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, lui, chez lui là-bas, quelle que soit l'heure à laquelle, voilà, quelle que soit l'heure à laquelle il va, disons, une fois qu'il se connecte, il peut voir l'heure, le jour, l'heure à laquelle il s'est inscrit, il verra que, même, il verra que c'est l'heure, disons, ça prend son fuseau horaire par rapport à quelqu'un d'autre. Alors que date time, non, on peut dire quoi? Nous, on veut avoir, en temps, quel que soit le pays dans lequel il est, c'est-à-dire si moi, je me suis inscrit à 19h00, puis lui, il s'est inscrit là-bas. Il s'est inscrit là-bas à 19h00. Disons, nous, on aura les mêmes données. On aura les mêmes données ici, les mêmes données de manière, je ne sais pas comment on dit ça, plus... Disons, on aura le même type de données, il y a chaud. Le même type de... la même date et puis, disons, la date réelle, quoi. Le timestamp, généralement, on peut l'utiliser quand on veut cette électrique de manière automatique. C'est-à-dire, on peut décider de ne pas... de gérer la date automatiquement. Donc, lui, il va prendre la date de chaque utilisateur selon son forêt, alors que nous on a décidé de définir même la date. Donc si il s'inscrit à 19h ici, là-bas il s'inscrit à 22h, nous on aura les mêmes dates. On aura soit 19h ou je sais pas si. Je me fais comprendre. Désolé de t'utiliser un peu, je suis un peu fatigué. Allô? D'accord. En fait j'ai vu un peu. La différence, en fait, c'est l'explication, je crois que je n'ai pas bien terminé, quoi. Donc, je ne savais pas à quel moment choisir. Sinon, ça ne dérange pas, vous pouvez utiliser timestamp. Vous pouvez utiliser timestamp. Mais nous, on a décidé de définir dans notre programme, nous-mêmes, on définit l'heure et la date dans le projet. Quand on va commencer... On va commencer à écrire, vous verrez que c'est nous-mêmes, on va écrire la variable date. On ne va pas laisser à ce que... Eh bien, je pense qu'on va... Monsieur Daté, vous vouliez intervenir, vous allez intervenir rapidement. On va commencer. Merci bien. Bonsoir à tout un chacun de vous. Allô? Bonsoir à vous. Voilà. En fait, ma préoccupation, elle est simple. Bonsoir. La dernière fois, oui, vous avez suggéré de prendre le cours de la formation précédente. Parce que là, il faudrait que nous tous ayons les mêmes informations. Puisque chaque table, parce que moi, si chaque table, j'ai créé mes champs, mais à savoir si on a les mêmes champs. Donc, si vous allez reprendre le début, ou bien vous allez continuer sur où vous êtes arrêté la dernière fois. Je ne sais pas trop. Pour les champs, normalement, si vous avez suivi le truc, on doit avoir les mêmes champs. Mais bon, voilà. En même temps, je pense qu'il y a... Il y a une nouvelle personne qui a intégré le groupe la dernière fois. Donc, on va très rapidement. En même temps, ça va faire office de truc de révision. Mais on va très rapidement revenir sur certaines choses. Et puis... On va avancer les trucs. Donc, disons, on va travailler à 1h30 au maximum 2h. Et puis, je pense qu'on pourra atteindre notre objectif. Donc, très rapidement, on va revenir sur ce qu'on avait dit la dernière fois. OK. Donc, le but de notre projet, c'est de concevoir une... OK, je vous en prie. Le but de notre projet, c'est de concevoir une bibliothèque en ligne. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième séance de ce projet. Sinon, ça fait la quatrième séance maintenant. Samedi, on n'a pas pu travailler parce que j'ai eu un imprévu. Vraiment désolé pour ça. Et voilà, on avait décidé de télécharger
J'avais dû télécharger pas mal de logiciels, notamment Warm Server. Warm Server qui est pour nous un logiciel serveur. C'est comme si on se trouvait sur Internet, mais ça se trouvait uniquement sur notre machine. Alors, avec Warm Server, nous avons créé notre base de données qu'on a nommée Formation Bibliothèque. Et lorsqu'on faisait l'analyse du projet, on a défini principalement trois tables. On a dit que dans une bibliothèque, il peut y avoir des livres, il peut y avoir un utilisateur qui va lire les livres. Chaque livre peut appartenir à une catégorie. Mais aussi, on peut décider de savoir quel livre a été lu à telle heure par quel utilisateur. Donc, on a créé la table lecture en plus qui va faire la jointure entre livre et utilisateur. Alors, pour faire l'étude de ces données, on a eu des règles d'intégrité. On a utilisé une méthode d'analyse qu'on appelait Meris. Donc, Meris nous a donné pas mal de règles. On a su que un livre appartient, disons, un utilisateur lit un ou plusieurs livres. Un livre peut être lu par un ou plusieurs utilisateurs. Je pense qu'on a défini ou zéro ou plusieurs utilisateurs, si vous voulez. Et donc, ça faisait intervenir une table supplémentaire, qui était une table de jointure qu'on appelait lecture. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir quel utilisateur a lu tel livre et à telle heure. Après, un livre appartient à une catégorie et un livre, plutôt une catégorie peut appartenir à un ou plusieurs livres. Donc là, ça faisait intervenir la jointure NNNN, c'est-à-dire père-fils, zéro, disons, plusieurs à un. Et voilà, ça nous a permis de créer notre base de données. Alors, pour les champs utilisateurs, on a des champs comme ID de l'utilisateur, le nom de l'utilisateur, le prénom, profession utilisateur, email, utilisateur, mot de passe, téléphone. Is deleted, avant que pas mal de personnes ne viennent, j'expliquais à M. Zouzou que is deleted nous permettait de mettre l'état de l'utilisateur à zéro lorsqu'il décide de supprimer son compte. Donc, quand il va s'inscrire, on va définir ça à 1. On va définir ça à 1. Donc, quand il va s'inscrire, on va définir ça à 1. Et puis, quand il va décider de partir, on va définir ça à 0. Après, la date de l'inscription, on a choisi date time parce que nous-mêmes, on va entrer dans la conception de la date. Sinon, il a parlé de timestamp qui permettait de prendre l'heure en local de chaque utilisateur. Mais nous, on va le, sans qu'on puisse le coder, c'est-à-dire juste dans la requête, on va mettre une information pour dire prendre l'heure. Comme le champ est timestamp, prend la date en local de l'utilisateur. Voilà, mais on va garder date time parce que nous-mêmes on va définir ça dans le code. Après, on a un livre qui a aussi ses informations, ses attributs. Donc, le livre a un identifiant, un titre, un auteur, un éditeur, maison, et maison d'édition, date, nombre de pages, prix, livre. Donc, toutes ces informations qu'on va entrer. Notre projet va donc nous permettre de créer plusieurs plateformes, ou notamment deux plateformes. Une plateforme administrateur et une plateforme utilisateur. Notre projet également, on va le définir en mobile. Donc, ça va nous permettre, le but de cette formation va nous permettre de coder en mobile. Et voilà. N'oubliez pas, la formation peut se couper d'une minute à une autre. Donc, dès que ça se coupe, immédiatement, rendez-vous sur la page, je vais envoyer un nouveau lien. Parce que chaque 40 minutes, ça se coupe. On a commencé à 20h20, 21h20 pour le fuseau horaire, une heure de plus. Donc, on va couper, disons, si ça se coupe immédiatement, rendez-vous sur le groupe pour le nouveau lien. Pour ne pas qu'on puisse perdre assez de temps. Eh bien, l'objectif de cette formation, c'est de donner des qualités de conception. Il y a des gens qui sont
venu avec zéro compétence. Et le but même, c'est de donner des qualités de zéro à partir de zéro jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire, même si vous venez de zéro, jusqu'à la fin de la formation, vous devez avoir une certaine prix. Même si vous n'êtes pas expert, vous avez un certain niveau de réflexion dans la programmation. Ça va vous permettre de faire plus de recherches et puis de booster. OK. Ça, c'était pour résumer un peu la base de données. Après, on est en train de concevoir l'API. Alors, l'API, c'est quoi? Pourquoi on a choisi un API? Parce que nous, on veut travailler sur les nouvelles techniques de conception. Les nouvelles techniques de conception sont basées sur des frameworks JavaScript qu'on appelle, qui sont soit Angular, soit React Native, ou soit Vue. Voilà, donc nous, on a choisi de développer avec Angular. Et donc, pour pouvoir connecter une base de données avec Angular, il faut passer par un API. L'API peut être conçu en PHP, en n'importe quel langage que vous connaissez, ou ça peut être conçu avec Node.js, avec même JavaScript. Mais nous, on va concevoir ça avec PHP, avec une organisation MVC, et aussi avec à la manière des classes, donc faire intervenir POOO. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le PHP, le POOO et le MVC, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Donc, j'ai donné pas mal d'exercices. Ce week-end, je vous ai donné des exercices concernant ces notions de faire des requêtes en PHP, POOO. C'est vrai que je n'ai pas contrôlé, mais ça, c'est des choses qui... En tout cas, pour ceux qui ont fait des recherches dessus, tant mieux pour ceux qui n'ont pas fait, tant mieux pour eux aussi. Je sais qu'ils avaient leur raison, donc quand même. Voilà. Et donc, on va continuer avec la construction de l'API. L'API, on va le reprendre à zéro. Donc, suivez encore très bien. On va définir encore la méthode MVC. On va commencer à coder. Et donc, c'est parti. Il reste 10 minutes pour que la réunion se coupe. Donc, immédiatement, quand ça se coupe, on se retrouve dans le groupe pour un nouveau lien. D'accord. Donc, très rapidement, ici, ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, on va créer un nouveau projet donc, avec VS Code, ce qui est demandé aussi de télécharger. Donc, on ouvre VS Code, on aura une plateforme comme ça. Ça va? Et donc là, pour d'autres, ça sera en anglais, pour d'autres, ça sera en français. On vient ici, File. En français, c'est Fichier. On aura Open Folder. C'est-à-dire, Open Folder va nous permettre d'envoyer un nouveau fichier, un nouveau dossier dans notre éditeur de test. Donc, nous allons juste cliquer dessus et puis nous allons essayer d'importer un fichier. Comme pour le moment, on n'a pas un fichier qui est défini, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau dossier. Donc, Windows nous permet de le faire, New Folder ici. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler API Formation. Il y a un dossier ici, API Formation, mais je vais créer un nouveau en changeant un peu la nomenclature. Donc, API Formation, je vais créer ça comme ça, sans le underscore. Donc, on doit ici API Formation. Donc, dès qu'on crée, immédiatement, c'est déjà sélectionné ici. Donc, on fait Select Folder. Et le fichier va venir se retrouver ici dans notre projet. Alors, le MVC, pour faire le MVC, c'est quoi? Le MVC, c'est une méthode organisationnelle qui est basée sur le modèle, le contrôleur et la vue. Le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est lui qui va aller chercher toutes les informations de la base de données de manière crue. Il va amener ça au contrôleur. Le contrôleur va faire le tri. Et il va ramener ça à la vue. Comme c'est un API, qu'est-ce qu'on va faire? On écrit le modèle qui va aller prendre les informations de la base de données. Il va venir faire le tri dans le contrôleur. Et il va ramener ça sur une vue. Et cette vue, on va la transférer à notre plateforme Angular qui va se charger de l'afficher. Voilà.
Donc, c'est un peu cette organisation-là. C'est une organisation très pratique. Ça permet de mieux structurer notre projet pour que demain, si quelqu'un doit travailler sur le projet, il puisse véritablement se reconnaître. Voilà. Donc, très rapidement, on a notre fichier. Vous pouvez désactiver vos micros si vous n'avez pas la parole, si vous ne décidez pas de parler. Merci. Et donc, très rapidement, ici, on a notre API Formation qui est là. Nous allons créer un nouveau dossier dans l'API qu'on va nommer modèle, comme ça. Après, nous allons créer un autre qu'on va appeler, je vais très rapidement, voilà, on va appeler ça contrôleur, comme ça, avec un R. Donc, on a modèle. Vue contrôleur, donc on a contrôleur, et puis le dernier c'est vue. Vue. En anglais on peut mettre view, mais je préfère, ouais, je vais préférer écrire ça en anglais. Donc on a le MVC qui est là, on a modèle vue contrôleur. Donc c'est un peu ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en tout cas, concentrez-vous, vous saurez qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est pas très difficile, c'est très facile d'ailleurs. Après, on va créer un autre dossier config qui va nous permettre de faire la configuration de la base de données. Donc, config, config comme ça. Et même peut-être après, on peut créer un autre dossier classe, mais pour le moment, je préfère ça comme ça. Après, un autre dossier peut nous permettre de faire, de créer les fonctions soit externes. Par exemple, si on doit définir l'envoi de l'email dans notre plateforme, on peut créer un autre dossier qu'on va appeler classe qui va nous permettre de faire des fonctions extérieures disons, à ce qu'on veut faire, ce qu'on a, on a décidé préalablement pour notre projet. Par exemple, l'envoi de l'email, c'est quelque chose d'optionnel. Donc, ce n'est pas vraiment très important dans la plateforme. Mais après, on peut décider de mettre une newsletter qui va nous permettre d'envoyer des mails, de s'inscrire à une newsletter. Donc, après d'envoyer des mails à l'utilisateur. De toute façon, j'ai oublié même que ça sera obligatoire, puisqu'après, on va décider que l'utilisateur peut modifier son mot de passe. Donc, on peut lui envoyer un email dans sa boîte de messagerie pour qu'il puisse suivre un lien. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. Mais quand on va arriver là-dessus, on va le faire. Donc, pour le moment, on va se concentrer sur ces quatre fichiers-là. Et voilà. Là, on va s'arrêter là. Je vais couper le truc, puisqu'il reste 4 minutes environ. Donc, pour ne pas que ça nous surprenne, on va s'arrêter là. Je vais couper la réunion et puis je vais vous demander de revenir dans le groupe, prendre le nouveau lien et de vous connecter le plus rapidement possible. Merci, à tout à l'heure.